On sait jamais. Loulou cheese. J'ai plus de batterie. Alors. Hello guys. Bonjour. Alors. Voilà, j'ai tout à dispo. Le câble, le câble. Allez. Là, il n'y a pas de son. Bah oui, attendez. Voilà. On repart sur Call of. On continue un petit peu la campagne. Hein. Je me mets là. Comme ça. Alors. J'ai trouvé la lampe ultraviolet. Du coup, j'ai lancé le live. Parce que, à mon avis, il va y avoir un truc de ouf. Il y en a un qui est sorti de là. Il a pissé partout, il a marché dedans, regardez. C'est dégueulasse. Du coup. Là. Donc, lui. Attends. On peut aller dehors. Wouhou! Ne perdons pas de vue l'objectif. Ah bah oui, mais. Oh là! C'est quoi ça? J'ai entendu un bruit. C'est quoi? Je sais pas. Là, il y a écrit des trucs. Je comprends rien. C'est NAO. Ça craque de partout, là, on dirait un film d'horreur. Donc faut que je tape des notes. Mais en même temps, faut que je me mette dessus ou pas? Un M. J'entends tous les bruits. Oh non. Attends. Un M. Là, c'est AO. 4. 1, 4. Bah là, je suis à l'envers. Bah là, elle va là. Ah. PE, donc M, PE, CN. Il y a un truc là. Je ferai après. M, PE, CN, AO. Là. Ah! Ah, oh putain. M, PE. M. PE. CN. Putain, mais arrêtez ces bruits là! On dirait un film d'horreur. MPECN. Putain, j'ai pas de mémoire. AO. PE. C'est un secret, les gars, c'est un secret. J'ai trop les sons un peu trop forts. Je suis dans un. Je suis sur Phasmophobia là. D'accord, t'as enculé. Bon, c'est fermé. Un verrouillage électronique, un truc comme ça? Comment je peux faire? Voilà, ça va dehors.
Peut-être qu'il faut une carte ou un truc qui ouvre la porte. Oh, ça rejoint là. Ah, oh, mais attends, ça rejoint. Ok, le manoir. Ah, il y avait là. On va aller à la cave. Alors. Daniel Livingstone attend impatiemment mon départ à la retraite depuis plus de 10 ans. Il veut du sang frais à la CIA. Des agents plus créatifs, plus agiles, m'a-t-il dit. Si ce n'est pas lui qui m'a piégé, il n'a eu aucun mal à côté des salades qui m'ont atterri sur son bureau. Il peut me traquer autant qu'il veut. Mais il ne penserait jamais à me chercher dans une ancienne planque du KGB. Ouais, ça fuit de partout là. Bah oui, mais il faut que je mette le trépied. Oh là là, lis les notes, c'est utile. Bah ouais, mais il y en avait plein, j'ai pas lu. Hein. Je vais mettre le trépied. J'ai pas lu. Bah là, c'était juste un vocal. Attendez, je mets le trépied. Il y avait pas d'enregistrement là. Non? Indiana Jones. Hop là. Dans la pièce. Où dans la pièce? Ben, là, il faut réparer, non? Ah ça? Je n'arrive pas à comprendre l'utilité de ce générateur. La maison est alimentée en électricité. Alors à quoi ça sert? Bah oui, parce que j'ai les lampes torches. Attendez, je mets les lunettes. Pour voir moins flou. Alors. J'ai trouvé une note chiffonnée dans l'autre pièce. Et je l'ai traduite du mieux que j'ai pu. Ce truc est trop capricieux. Même en allumant la veilleuse... Après avoir ouvert la conduite de carburant à fond, ça marche pas, je sais pas pourquoi. La chaudière a une fuite et la veilleuse ne s'allume pas. Le mieux est de remplir la chaudière d'eau une fois la flamme allumée correctement. Donc veilleuse, carburant, chaudière. Oula! Je vais tout péter, hein. Chaudière, carburant. Ah, ça fuit plus là déjà. Hop là. Putain! On appelle Sopo le mécano! Bah alors. Zéro. Ah bah oui. Voilà, je suis bien là. Regarde, il n'y a plus une fuite. Putain, Sopo le mécano! C'est bon ou pas? Là, c'est allumé, mais c'est pas vert. C'est orange. Ah, orange. Jaune. C'est jaune. C'est presque vert. Qu'est-ce que ça dit la note? Après avoir allumé la veilleuse, la conduite de carburant à fond. À fond. Ça marche pas. Là, là ta conduite de carburant elle est à combien? C'est ça là. À gauche. Bah là, je suis pas à fond. Bon, parfait. T'as dit à fond, ça marche pas. Et là, pas à fond, ça marche pas. Voilà. Non, justement, là, c'est bon. Il y a une autre note. Je suis presque allumée. Où il est le chien? Qu'est-ce? Je pense que cette chaudière doit alimenter une pièce secrète de la maison que nous n'avons pas encore découverte. Ah! Peut-être faut que j'aille dans la pièce que je pouvais pas ouvrir. Il y a une lumière noire à l'étage si tu veux faire des recherches. La lampe, je l'ai, la lumière noire. Cette chaudière doit alimenter une pièce. Donc là, c'est allumé. Peut-être faut que j'aille dans la pièce que... C'était où déjà? Oh putain, le manoir. Il fait 10 000 mètres carrés. Non, je suis venue par là. Oui, Loulou. Loulou pleure. Loulou, il pleure. Poupoutou. On ouvre les portes. Faut aérer. C'est le matin. Ah. Bah, j'ai tout fait comme c'est écrit dans la chaudière.
Oh putain, ça y est, je suis perdue. Ah, ça y est, je suis perdue, c'était où? Oh, ça c'est dehors. Ah là. C'était là. Faut que je remette un petit coup de carbu. Qu'est-ce qui est écrit? Même en allumant la veilleuse, après avoir ouvert la conduite de carburant, à fond, ça marche pas, je sais pas pourquoi. La chaudière a une fuite. Ouais, mais là, c'est bon, on n'a plus de fuite. La veilleuse s'allume pas. Le mieux est de remplir la chaudière d'eau. Une fois la flamme allumée correctement. Mais elle est où la flamme? Elle est allumée là. Foutre le carburant à fond. Bah si. Je suis pas teuteux quand même. Remplir la chaudière d'eau. Ah bah. Ah oui, j'ai coupé l'eau. Regarde, elle est à combien? Elle est combien le manomètre de l'eau? Le manomètre de l'eau, il est à combien? C'est où? C'est à côté de la valve. Ça? Ah bah c'est à zéro. Ah bah, allez. Mais c'était lequel? C'était celui-là? Oui, sûr. Oula. Ah! Ça y est. Oh putain. Oh purée. Oh j'ai peur. Peut-être c'est un truc d'horreur qui se passe dans l'autre pièce. Il va y avoir un fantôme. Oh putain. Attention, c'est ouvert. Ça fait peur là-dedans. Il y a des pièces, il y a des petits bureaux secrets. Je sais pas ce qui se trame là-dedans. Mais il y a de la torture. Oh. Alors. Il y a, nous avons eu de nouvelles de Dee. Il est toujours à la hausse et prévoit de partir dans 3 semaines. Nous avons reçu l'ordre de fermer temporairement la maison pendant notre voyage en Amérique. 26 prévu pour février. Vu que nous propositions. Nous positionnions avant la fin de l'année. Si les agents normands. Les ordres se retrouvent aux mains de l'ennemi, nous devons nous en occuper. Ouais, je te dis, il y avait des interrogatoires là-dedans. On ne reviendra pas après ça, je comprends son point de vue. Si jamais il y a un truc qui fait du bruit dans ces couloirs, vos casques vont exploser. Bah, je vais baisser un peu le son parce que franchement, là, je me crois dans Phasmo. Oh non. Déjà là, il y a une empreinte. Il y a au moins le numéro 5. Non utilisé. Mauvais endroit. Correct. Déplacé. X. X. Ah! Ah. Alors, il y a... Ok, il y a le 0. Le 4, le 5. Le 6 utilisé. Le 3. Oh bah d'accord, il y a combien de chiffres? C'est une blague. Non, j'ai pas mis 9. Putain! Il y a 5 chiffres. Alors. 0. Quatre. Cinq. Six. 3. Ah! 0 pas la bonne place, 5 pas la bonne place, 6 c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Donc 4, 3 il s'en fout, j'ai pas mis un 2. Le 0 on va peut-être le mettre en deuxième par exemple. 1. 1, 0. 2. Cinq. Non!
Le 6. Oh putain, j'ai mis un chiffre en trop. 6. 6. J'ai pas mis le 5. 5. Oh putain! Alors, 0,6 c'est bon. 5 il... Peut-être 5 hein. Alors. 5. J'ai pas mis en premier. Donc 5. 0. Le 2 il veut pas. Donc il n'y a pas le 2. J'ai pas mis le 4. Ah si, le 4 il veut pas. Bah le 1. 5, 0, 1, 6. C'est quoi que j'ai pas mis? Le 4 il veut pas, le 3 il veut pas. Et le 2 il veut pas. Peut-être qu'il y a deux fois le même chiffre? Attends. Quatre, trois, il veut pas. Bah, il y a peut-être deux fois zéro, par exemple. Parce qu'il y en a un, deux, trois, peut-être il y a deux fois zéro. Oh putain! Oh putain, il y a deux fois zéro. Alors, 5-0. Dernière chance, non? 5-0. Donc là, bah 0, 6, 1. Oh, j'ai trouvé les gars. Putain, au bout de la 10e fois. Hop là. Alors, c'est une salle d'enregistrement. Suite à l'incident avec Kalachnik. Ça, c'est les nouveaux chocolats de Nestlé. Nous avons décidé de mettre en place un système plus sécurisé. L'accès à la salle d'observation et à la cellule ne sera possible que via le terminal de la salle de l'ordinateur central. La salle d'ordinateur central, faut aller. Nous avons pris. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne. Y a trop de bruit bizarre en plus. J'ai le son à fond là, non? Oh putain! Le code caché correspond à une lettre de la clé de. Mais ils sont où les. C'est où les codes cachés? Correct pour déchiffrer le code. Oh non! Vas-y, il n'y a que des énigmes! Mots-clés, c'est-à-dire. Faut que je tape ça? Faut que je trouve ça. Sept, six, six c'est P. P, 7. Putain, j'entends des bruits à côté de moi, j'ai peur. 7, c'est 0. O, c'est O. 5, R. Ouais. T. Et les chiffres étaient en double. Ah bah oui, j'avais même pas lu. O, Sopo le hacker. Oh là là, on a relancé le Minitel. Putain, ouais. C'est de mon époque. Attendez, je mange un petit bout de tartine parce que là, je réfléchis beaucoup. Petit déjeuner avec Ricoré. Je me suis. Bah, y a la réflexion là. Attends, j'ai pas fait T. T. E. Porte. Oh, vas-y, il y en a combien? Ça va me saouler. Alors. B. 26. U. C'est comme ça qu'ils font les vrais hackers? N. C'est marrant si c'est ça le boulot de hacker. 43, K. Et où? E. Oh, hey, oh, la musique doucement. Hein. Bunker. 0.
On joue à déchiffrer des lettres. 47C. E. 88. L. Cellule. Ouais, c'est bon. Cellule en 6 chiffres. J'ai trouvé, mon gars. U, il est où? 1. Ah non. 1. U, oui, c'est ça. O U ouverte. C'est ça. Ouvert. Ah, j'ai mis un accent, ça va peut-être pas marcher. Y a pas le... Putain! V. Le 8, c'était quoi? R? C'est pas ouvert alors? Bah. Je suis con, c'est pas possible. Our? Attends. Putain, je suis débile, c'est pas possible. Ouvrez! Ouvrez! Le joystick, il doit prendre trop cher. Attends. 92. Alors. OU, on est bon. 18. V. Bah, je m'étais pas trompée. Bah alors. V. Le 8, c'est R. Ah, c'est pas français. Hein. Ouvrir. Ça doit être ouvrir. 38. Oh putain, c'est ouvrir. Oh, je suis une connasse. Porte bunker, et ben voilà. J'ai pas été voir là. Ah non, je viens de là. Je viens de là. Oh, c'est quoi ça? J'entends des trucs. Okay. Non, je viens pas de là. Ça ressemble, hein. J'ai peur de mes propres pas. C'est écrit en russe, non? Putain. Attention, il y a un fantôme. Même le Minitel, il a eu mal. Je décède. Et là, là... Non, 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 non! Me dis pas, hein. Normalement, non, hein. Merde. Hop, là, je reste là. Il se referme pas. J'entends des bruits de partout, c'est vraiment... Il y a quoi là-dedans? Là-dedans, c'est de la torture! Putain. Cet enfoiré a avalé la clé... Oh non, hein! Fais-lui recracher par tous les moyens, je me fiche s'il ne peut pas parler pendant une semaine. C'est dégueulasse. Ils ont trifouillé un mec. Oh putain. Courage. Je veux retrouver des boyaux là-dedans, c'est ça? L'expérience du clocher. Ouais, sauf que j'avais des mecs au cul, là, pour l'instant, il n'y a personne. Ah. Vas-y, ça fait flipper. Avoir quelqu'un qui va me sauter dessus. J'ai peur. Boum. Et là, ils font péter le bureau. C'est glauque ici. Hein. C'était pas pour boire le thé. Ah, j'ai une clé. Mais la clé de la porte là-bas. Oh, j'ai trop peur. Un monstre. Non, non. Vas-y, on n'est pas sur Phasmo là. Normalement, je devrais pas avoir peur, mais ça fait peur ici. C'était où la porte fermée? Là.
Oh putain, c'est la bonne clé. Jackie? Pourquoi t'es là, toi? Oh vas-y, ça fait peur! Pourquoi il y a des poupées, là? Signal? Oh, je me chie dessus, les gars. Je peux pas sauter. Je veux me cacher derrière le canapé, s'il vous plaît. Malgré ce que tu penses, Italie, c'est moi qui ouvrirai ce coffre et décrochera le gros lot. Ça va être utilité de la langue. Oh, j'entends des bruits! Bien sûr, un sujet au sein du groupe. Bonne chance pour faire le lien entre les mots-clés et leur équivalence. Ah, vas-y, c'est encore des énigmes! Comment feras-tu une fois comme ça? C'est moi qui fais du bruit, peut-être. Bon, du coup. Oh non. Suivez l'indicateur jusqu'à réception d'un signal fort, puis recherchez d'où il provient. Ouais, une fois fait, tournez le bouton pour faire correspondre l'amplitude. Bah, il provient de la meuf là à côté. Ah, l'amplitude, c'est ça. Presque. Éclairée par la faible lumière de la lampe, elle pleurait devant l'emblème familial. Non loin de là, un disque de fusée de la musique folklorique. Les larmes de la fille tombaient sur le tapis. Et du coup? Vas-y, il y a numéro 4 derrière. Oh, j'aime pas la musique. Ah, 4, 9. Ah. Oui, c'est bon, on a compris. Je peux pas l'éteindre. 2. Non loin de là. Un disque de fusée de la musique folklorique. 2, 0, 9, 0, 4, 6. Vous me gênez, madame. 6, 9, 9, enfin, un crayon. Vas-y, il y a trop de chiffres. Attendez, je note. Stylo. Stylo. Un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Ah. J'ai pas de papier. Si, non. Ah, la musique, arrête-toi, hein! 2 secondes. Ah, c'est bon, j'ai un papier. Mais il y a plusieurs fois. Il y a plusieurs fois 9, alors je sais pas si c'est des doublons ou. Mais ça, j'y dis quoi? Il dit qu'elle pleure devant l'emblème familial. Et qu'après, mais c'est de la musique. Et que c'est tombé sur le tapis. Tu peux pas fermer ta... Par contre, c'était pas la musique? Un disque de fusée de la musique folklorique. Les larmes de la fille tombaient sur le tapis. 2-0. 9-0. Parce que si c'est l'ordre, il faut que... 2-0. 9-0. Elle pleurait devant l'emblème familial. Après, j'ai... 4-6-9. 9. 6, 9, 9. 9, deux fois. Et après, je crois que c'est tout. Ah, 9, 8, encore? 9, 8. Mais vas-y, il y a combien de chiffres? Ça va être long. 9, 8, 8, 4. 4. Et après? Oh putain, 0. Non, loin de là. Un disque de fusée de la musique. 0, 5. Les larmes de la fille.
Oh, 0, 4, 5. Putain. 0, 4, 5. Éclairé par la faible lumière de la lampe, elle Putain. pleurait devant C'est l'enfer quoi? familial. 8. Non loin de là, un disque de fusée de la musique folklorique. Les larmes de 2. la fille tombaient sur le tapis. 2, 6. Mais il y a trop de chiffres, c'est pas possible. 2, 6. Ça peut pas être un code entier Éclairée quand par la même. faible lumière de la lampe, 1. elle Oh pleurait devant là là. l'emblème familial. C'est bon là? Un Non loin 7. de là, un disque de fusée de la musique Oh! folklorique. Enfin, que je Les larmes de trouve. la fille tombaient sur le tapis. Et 8. 4. Non, mais ça peut pas être un code entier. J'ai tout Éclairée par noté. la Mais faible je pense pas lumière que de ce la lampe, soit. elle pleurait devant Combien il l'emblème faut de chiffres pour familial. ouvrir le coffre de la maison? Bah, Non je sais loin de plus, là, moi. un Faut que disque je de fusée remonte. de la musique folklorique. Les Ah, c'est larmes de pas la ça? fille Fallait tombaient pas que je sur le note tous les tapis. chiffres? Putain. Bon, écoute, j'ai tout noté. Ah, et encore un 1. Bon, on sait jamais. Hein. Bah, le 1, il est pas dans l'ordre, du coup. Et voilà. Éclairée par la faible lumière de Putain. la lampe, Bon. elle Ça pleurait doit pas devant être un ordre, l'emblème il y en a trop. familial. Je mange un bout. Non loin de là, un disque de fusée de la musique folklorique. Les On va se larmes de la barrer parce fille que. tombaient sur le tapis. On commence à casser les bonbons avec sa voix de merde. Bon, du coup, j'ai plein de chiffres. Voilà. Maintenant, je sais Par pas la ce que je vais faible en faire. lumière de la lampe, elle pleurait devant Oh, mais l'emblème faut le chiffre, je familial. sais plus. Je sais même plus où il est. Je crois qu'il en faut 4. Crois qu'il en faut à peine 4. Bon, bah, je remonte. Tout ça pour ouvrir le coffre en haut, là? Non, mais sans déconner. Je sais même plus où il est. Ah bah. Je vais te passer. Où il est? À l'étage, à gauche de l'escalier. Bah oui, mais là, il y a des traces, hein. Ça s'arrête là. Il y a forcément un truc là, non? Super. Ça sert à rien, ça. Qui c'est qui a pissé par terre? Hein? Tu m'as dit à l'étage. À gauche de l'escalier. Oh et oh! Il y a des bruits bizarres. À cause des rumeurs. Vas-y, je m'en fous. Aéré. Hop là. J'ai dit à gauche, elle va à droite. J'ai été à gauche de l'escalier, hein. L'escalier, tu montes, t'es comme ça, mon gars. Hein. Ah bah, c'est ça, à gauche. Oui, non, mais d'accord. Putain. Alors. Apparemment, les agents du KGB qui ont vécu et travaillé ici dans les années 60 obéissaient aux ordres de Nikita Manovitch. Le général Oh! soviétique Alex Mason et Jason Hudson ont exécuté en 68. À 4. Les activités qu'ils menaient ici se faisaient à l'insu des dirigeants soviétiques Faut que je et trouve sur KGB. tous ces chiffres-là! Comment je valide? Ah, tant que je trouve pas, ça déverrouille pas, je pense, un truc comme ça. Peut-être le message V2 est là pour t'indiquer les bons jours. Oh putain! Apparemment, les agents du KGB qui ont vécu et travaillé ici dans les années 60 1960? obéissaient aux ordres de Nikita Manovitch. Attends, Le ça veut général dire, ça voudrait soviétique dire que Alex j'ai été en Mason bas et pour rien? Jason Hudson ont exécuté en 68. Les activités qu'ils menaient ici se faisaient à l'insu des dirigeants soviétiques et du KGB. C'est un peu l'équivalent russe du Panthéon. Ça ouvre pas! Dans la salle avec les chiffres. Quoi? Non! Ah bah, elle disait quoi la voix russe? Ah, j'y retourne pas, les gars. Ah, je vais pas y retourner! Non! Ça se valide quand t'as les bons chiffres.
Bah, je les ai, les chiffres, ils sont là. Bah, je vais tous les faire. Quoi? Il faut que je réécoute en bas? Elle dit quoi, la voix russe? Je vais péter un câble. Et ça c'est pour les enfants? Ça, c'est pour les petits-enfants, ça? Oh là là, les énigmes. Putain, mais je suis à la chaudière! Je suis perdue! Oh putain, la colère. Putain, on a que ça à branler de refaire tout le manoir, les gars, là. C'est trop marrant, les énigmes. Oh ben, il y en avait là, en plus. Je n'avais même pas vu sur ma table. Devant l'emblème familial? La faible lampe, l'emblème familial? Il y a un tableau ou un truc comme ça alors? Voilà. Devant la faible lampe. Putain! C'est quoi ça? Y a un truc là. Attends. Oh, j'ai pas ouvert. Y a combien de portes ici? Mais c'est pas vrai! Oh putain. Ça ouvre rien. Les chiffres sont dans quelle pièce? Bah, elles sont en bas, les chiffres. Mais je les ai tous notés. Oh putain! 1989, j'ai une autre date. T'as pas noté les bons. Comment ça, j'ai pas noté les bons? Eh ben, c'est 1968 ou 89? C'est pas ça? Oh oui, c'est-à-dire que c'est tellement marrant. Bah oui. Et chaque objet, ah, mais ils sont en bas, les et en objets. bas, chaque objet, il y a un chiffre dessus. Il t'indique 4 objets. Oh, quatre mais ouais, chiffres. mais la voix, elle tourne en boucle, elle me saoule. Putain, c'est pas là. Je sais plus, moi. Comment vous faites pour trouver tout tout seul? Éclairée par la faible lumière de la lampe, elle pleurait devant l'emblème familial. Non loin de là, un disque de fusée de la musique folklorique. Les larmes de la fille tombaient sur le tapis. Bah, la faible. Faut que j'écoute ce qu'il me dit. La faible lampe. Oh putain. Faible lumière, emblème familial. Un disque. Et le tapis. Voilà. Alors, déjà la faible lumière. L'emblème familial, c'est là. L'emblème familial, c'est le drapeau ou c'est autre chose, déjà? Oui, il faut que je trouve. Pour moi, si c'est le drapeau, c'est le 1. Mais ça veut dire quoi, l'emblème familial? L'emblème familial, c'est le 1 ou c'est pas le 1? Le disque, c'est 5. Il n'y a pas sur le tapis en plus.
Bien sûr. Un disque de chisée de la musique folklorique. Donc 5. Les larmes de la fille tombaient sur le tapis. Donc, et 3, si elle s'est assise sur le canapé. Un emblème familial, on le met généralement. Non. T'en as d'autres des indications comme ça? Elle pleurait devant l'emblème familial. Non, loin de là. Ça, c'est un emblème, ça? Peut-être. Un disque de chisée de la musique folklorique. Les larmes de la fille tombaient sur le tapis. Donc 9. 9, 5. 9, 5, 3. Ça me fait que 3 chiffres. Éclairée par la faible lumière de la lampe, elle pleurait devant l'emblème familial. Non, loin de là. Ou alors c'est 09. 0953. Je vais pas y passer 10 ans. Enfin, si, je vais tout péter là, putain! Jeu de merde! Oui, ta gueule! Putain! Éclairé par la faible lumière de la lampe! Ben! Alors, c'est peut-être 1, mais elle est éteinte celle-là, bordel de cul! Putain, la colère là! Éclairé par la faible lumière, alors c'est 2 ou c'est celui qui est là? Putain! Note au fur et à mesure, je vais noter dans ta gueule, ouais! Au fur et à mesure. Enculé! Oh! Oh, c'est trop marrant, Call of Duty à la campagne! Hein. Oh putain! On va dire. Je vais t'enculer! Arrête de te foutre de ma gueule! Je te jure, je t'enculer! Un œuf. Tu vas te prendre un coup! Hein. C'est 4 chiffres! Éclairée. Moi j'irai. Oui! Elle pleurait devant l'emblème familial. Non, loin de là. Un disque de chisée de la musique folklorique. 9, 5. Les larmes de la fille. Et 3. Sur le tapis. Moi je dirais un 9, 5. Mais 1953. Putain, si c'est pas ça, il faut que je redescende. Et que je réécoute cette merde. J'ai envie de t'enculer, toi, tu vois? Putain. J'en ai marre, là, elle tourne en boucle, on a compris. Oh, con. Je me perds plus. Putain. Ça va pas être ça. J'ai noté 1953. Hein. J'ai noté 1953. Il était où le 8? Elle pleure sur le tapis. J'ai rien compris, putain. J'ai rien compris. C'était 1953. 1958. Eh ben c'est ce qu'il dit dans le message, j'avais pas besoin de descendre. C'est écrit dans la lettre, 1958. Ah non, c'est 1968. Oh. Bon, j'ai de l'argent, c'est déjà pas mal. Tout ça pour ça. Putain, y a pas une autre énigme normalement? Barbecue. Il était plié. Le tapis, il était plié à côté. Et pourquoi elle pleurait sur le tapis? Elle aurait très bien pu s'asseoir sur le canapé pour pleurer. Complètement con. Excusez-moi, mais la logique... Merci, quoi. Bon, du coup... Avec 1000 balles, je peux acheter plein de trucs. Bordel. Ouais, bah, elle parlait pas du canapé, moi, c'est ce que j'ai compris. Oh là là là. Là, j'ai 1000 euros, maintenant. Alors, la prestabilité au tableau. Ah, pour améliorer le... Oui, c'est vrai. Eh ben, ça m'a pris du temps. Zone d'entraînement, on s'en fout. Station des équipements. Ben, j'ai déjà acheté. Ah non, j'ai acheté ça. Ah ben voilà. Oh, la musique épique. Ta-na-na-na-na-na. Il met 2 bidons d'essence dans la cuisine.
Ah ouais, on est équipé, les gars. Une perceuse meuleuse et une petite lampe pour éclairer le bureau. Ah, à ta santé. À ta santé, mon gars. Et la binouze. Ben voilà. Oh là 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 là. Il me reste 600 balles. Et ben voilà. Du coup, j'aurai tout pour ça. Oh là là. Dernière roulette. Ouais, y'a même pas un jacuzzi. Bah voilà. Allez, le jeu est fini. On peut quitter. Y'a d'autres énigmes ou je continue l'émission? Et là, la mission. Saison de chasse. Oh non. J'ai pas une autre... Y a pas une autre énigme dans le... Bon. Du coup, j'ai plus de sous pour m'améliorer. Vétéran, une balle, t'es mort. Ouais, d'accord, on va lancer en facile. On n'est pas des fous ici. Bon, allez. Je fais la mission et après j'arrête le live de Calvaire. Le palais qu'on cherche se trouve à l'ouest de l'Irak, dans le désert de Syrie. Mais il y a un problème. La coalition, elle a lancé l'opération Tempête du désert contre Saddam Hussein il y a 2 semaines. Elle détruit un maximum de cibles stratégiques depuis les airs. Le palais est encore debout, mais plus pour longtemps. Le SAS britannique a été déployé pour traquer des lance-missiles mobiles, et notre palais a été marqué pour un bombardement massif. On doit agir. Ouais, ça fait du bien d'avoir les thunes, ouais. On cache dans le bunker sous le palais. Mais s'ils le détruisent, on n'a plus rien. Et on se bat contre Saddam ? J'ai demandé l'aide d'une ancienne collaboratrice travaillant pour le MI6. Elle a fait pression sur le SAS pour retarder la frappe, mais ça aura un coût. On se fera passer pour des soldats de la Delta Force pour qu'Hélène Part justifie notre présence. Ah. On aidera le SAS à détruire tous ses lance-missiles. Moi, un soldat de la Delta Force ? Ensuite, à nous le palais. Putain. Oh putain, les gars. Ah ! On va chercher une femme. Le SAS veut détruire ses scuds autant que vous, vous voulez infiltrer ce palais. On pense que les Irakiens pourraient les lancer d'un moment à l'autre. Cacale de main, pulvérisons ces lanceurs. On contourne le premier site. Hé, Fart, tâchez de tenir vos amis américains en laisse. Hé, hey, lui, tu vas bien fermer ta bouche, toi. Dans les airs, ça a commencé. Le site est encore à 250 mètres. Tu peux accélérer? Activité. À fond les ballons. Ah, ah. Vas-y, roule-leur dessus. À couvert. Il y en a d'autres derrière. Je vois rien. C'est tout fumé. Je vois rien. Je tire sur une fleur. C'est une plante, c'est une plante. Pourquoi il meurt pas? Ah, parce que je l'ai trop à côté, je crois. J'ai quoi comme deuxième arme? Willy. Moi, on les a tous. Oh putain, il m'a... Il était caché dans les fleurs. Cacale de 1, on est de l'autre côté du ravin, on approche de la cible. Plus vite. Ouh, ouh, les fleurs, oui, c'est la guerre. C'était des potes! Ah, je vais mourir comme une connasse! Je croyais que c'était mes potes! Oh, moi je cours vers eux, bonjour! Vous auriez des chocs à pique! Jackal 1-1, on sera bientôt en position! On est sur la crête! On commence! Il y a une douzaine d'ennemis! Quand je lis et je joue en même temps, je fais n'importe quoi! On y va! Lancement! Aïe! Ya! Yeah. Sniper, sniper. Pourquoi il meurt pas? Oh, putain!
Arrêtez de gueuler comme des veaux. Ce shoot, ouais, hey. Ça c'est l'expérience. Ou la non-expérience. C'est Park là-bas ? Ah bah, j'allais dire, vous avez pas un bazooka ? Quoi ? Descendez où ? Je dois aller où ? Ah, je suis là. Avec la petite musique orientale. Qu'est-ce que je dois faire ? Maintenez pour équiper. Ok. Bah, j'en ai pas. Détruire le scrub. Avec quoi ? Oh putain. J'ai pas la... C'est un bazooka qu'il faut que je prenne ? Donne-moi mon arme, toi ! Ça ? Non, c'est des mines. Je dois mettre le C4 ? La précision. C'est ça ? Je dois juste mettre du C4, les gars ? Ah ! C'est peut-être ça. Oh putain, je dois tirer dedans. Ah mais il va tirer. Je dois tirer là. Putain. Ah bah c'était ça. Je pense que c'était ça. Oh oh oh. Eh bon, heureusement que je suis pas en vétéran. Parce que là il tirait le machin. Bien joué tout le monde. Attention. Maintenant, attention, écoutez. J'en ai encore une. Richard, Skinner, débarrassez ces ordures et déchargez les camions. À vos ordres. On va établir le campement ici. Bah heureusement que c'était pas. On équipait pas trop dégueu, Voyons. Pas trop dégueu. Il est gentil. Il est vraiment gentil, monsieur. Ce sera notre base d'opération désormais. Tiens. Allez. On dirait que t'as gagné le droit de porter la carte tactique. Oh non, c'est trop dur ça. Pour traquer les objectifs, vous déplacer rapidement et faciliter la navigation. Ok, c'est flèche droite. On a beaucoup de terrain à couvrir, alors ça te sera utile. On oh non, mais les gars, vous êtes morts, hein. Scuds. Si c'est moi qui ai la carte, vous êtes foutus. Tu pourrais trouver d'autres trucs intéressants. Bah là. Là. Et là. Bah le plus près. On va au plus près. Bon, lui, là. Marqué. Je peux en marquer plusieurs ? Non. Ça, c'est quoi ? Point d'interrogation. Gladney m'a promis qu'il aiderait ton équipe à entrer dans le palais si vous détruisez ces scuds. Faites ce qu'il demande tous. Et on verra bien s'il tient parole. C'est moi qui dirige. Tu peux aller lui parler si t'as envie. Il restera au camp pour s'occuper de la logistique du SAS. Fais-nous juste savoir quand tu voudras partir. Bah maintenant. Ça manque pas d'armes ici. Serre-toi. Eh les gars, c'est pas du joule là. Eh, je me barre. On partira quand t'auras pris ce qu'il te faut. Bah je sais, attendez. J'ai pas pris mon équipement. Oh là là. T'as, c'est moi qui roule en plus. Je vais livrer les collègues. Alors nous, ces quatre, on est plein, ça c'est important. Tactique. Oh non, mais c'est que des armes de... Et par contre, je le garde ou pas le lance-roquette ? J'aime bien ce que j'ai, là. Oh, j'ai une plaque ! Oh, les gars, vous aimez la bonne musique. Je peux vous aider ? Capitaine. Oui, mon capi-chef. On aimerait attaquer le palais le plus tôt possible. Ce palais a l'air de beaucoup vous intéresser. Si ça tenait qu'à moi, il aurait été rasé depuis longtemps. S'il est encore debout, c'est uniquement grâce à Mademoiselle Park. Étonnant. Ah bah moi, je sais pas viser au snipe. Merci, mon capi-chef. Vous nous aider à détruire les scuds, et on vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Ok. Pas pour l'instant.
C'est à cause de ces foutues batteries de missiles. Il y en a trop. D'ailleurs, je viens d'apprendre que certains de vos amis de la Delta Force ont été abattus près d'ici. On a un hélicoptère d'attaque, mais on ne pourra pas le déployer tant que vous n'aurez pas neutralisé les batteries anti-aériennes de la région. On n'est pas obligé d'attaquer. Mais si, il faut tout péter, il faut péter les autres... Vous parlez pas entre vous, les ricains ? Bien sûr que oui. Tu me parles autrement, qui semble être au courant de votre présence à vous. Franchement, j'en ai rien à foutre de ce que vous fabriquez ici. Du moment moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Voilà. Ah bah, tu sais quoi, tu m'as saoulé. Allez, au revoir. Bonne chance à vous, là-bas. Ouais. Putain, tu parles trop mal. Il fait semblant de travailler, le capitaine. Il tape sur le Minitel. Bon, du coup, moi, je pense que je vais garder ça. Hein. C'est bien, ça. En plus, j'ai un petit viseur. Y a pas un truc à bouffer sur le camp? Y a à bouffer? Non, ça, c'est... Y a pas à manger, non. Oh, une autre plaque! Allez. Je peux pas la mettre? Je peux pas la mettre? Mince. Ok, c'est une par une. Bon, j'en ai une deuxième. Je pense que je vais rester avec ça. Mais est-ce que là, j'ai combien? J'ai combien de roquettes? Une sur quatre? J'en ai quatre. Je pense que je vais garder ça, hein, pour péter les trucs, de toute façon. Je vais rester comme ça. Hein. Y'a rien à manger. Et vous partagez pas la bouffe. Bon, on va y aller. Hein. Tu en as 5. On y va? Ah, allez les gars! On y va! C'est parti, c'est moi qui pilote! Mettez les capotes, c'est moi qui pilote! On va les péter les gars, on va les péter. On est dans le ravin. Faites attention. Faites attention. Ils peuvent être cachés n'importe où. Regardez là. C'est quoi le... La fumée orange indique un largage de ravitaillement. On va aller jeter un œil. On va jeter un œil les gars. Ah, attendez. Ça c'est le... Comme au travail. Hop, un petit demi-tour au milieu de la colline. À deux doigts de tomber dans le vide. Hop là. On va aller voir les gars. Te couvre. Ouais, t'as intérêt, ouais. C'est quoi ça? N'hésite pas à te servir. J'ai pas les utiliser. C'est bien là. Qu'est-ce que je prends? Je peux tout prendre? Oh là là. Vas-y, je prends tout. J'ai pas utilisé la petite voiture. Ravitaillement, bouffe. Non, y a même pas de bouffe. Je fais un demi-tour sur l'autoroute du sable. Y avait même pas de bouffe. Ça c'est sur la Jeep. Allez go. Ah, tous les points d'interrogation, c'est quand il y a des... Wow, la pilote. Attachez les ceintures. Hop là. On y va. C'est Oh là. Vous avez la ref? Oh, oh, c'est des talibans, c'est des talibans. Ouais, y'a Ardou. Tiens. Eh oh. Oh merde. Oh, Park, excuse-moi. Oh putain. Ça va ma poule. Je vais défoncer. Du coup, il fallait être discret ou pas? Y'en a d'autres? Parce qu'il y a la musique épique. Non, c'est juste qu'on se rapproche du truc, on est d'accord. Le TK, ouais bah, plus cher. Non, il y avait trois. Ah, ils sont là. Par contre, c'est un semi, faut pas que j'oublie. Ouh. Encore des ennemis pas communs, là. Oh, ils sont pas communs. Wow. Non, c'était pas une mine, je crois que j'ai pris une grenade. Eh, faut qu'ils arrêtent avec les grenades. Eh oh! Tiens, dans ta face!
putain, la petite musique, la musique orientale. Oh là là! Oh la noob! Heureusement, je suis pas en vétéran. Ils me mettent 3 balles à chaque fois. Oh, c'est bon là! Oh putain! Oh! Tu veux une grenade? Tiens! Enculé, putain! Putain, il est con, il regarde ailleurs. Quoi, le piège électrique, là, on peut pas le péter? Ah, bah voilà. Oh, 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 oh! Un caillou, je tire sur un caillou. Merde. Je bouge. Je crois que c'est tout. Ça bip. Ok. Hop là. Il est là-bas, il est en haut le truc qu'il faut péter. Une cage du Panthéon. Bien vu, Keith. Non, je peux pas crocheter. C'est parce que j'étais mal placée. Ah voilà. Sopo qui a des réflexes de D2 pour les mille électriques. Oh non, c'est juste pour ça? Peut-être il est mieux, hein. Oh, frappe de mortier! Oh! Oh! La thune! Premier jour des essais d'octobre. Nous avons commencé à exposer nos cobayes en intraveineuse pour le patient A et par inhalation pour le B. Leurs pupilles sont dilatées, mais leurs constantes sont stables. Résultat à suivre. Le Panthéon menait des expériences sur ces deux pauvres frères. Deux méthodes d'exposition. Mais d'exposition à quoi ? Du coup, c'est bon, allez, mais on s'en fout. Allez hop. Qu'est-ce qu'on fait si on trouve la Delta? Tu penses qu'ils verront qu'on fait pas partie de l'équipe? Je pense pas. Faites comme si de rien n'était. Et tout est à une distance. T'aimes le football, Adler? Tu vas pas me croire, mais j'étais linebacker au lycée. T'as vu le match du Super Bowl? Je préfère le fusil de saut. On est au Camtar.
Ils ont fait péter le camion? Ah non, putain, je le voyais pas. Ah bah si! Oh non, on a perdu la Jeep! Oh merde! Oh putain, faut aller à pied. Oh non, les boules. Je les ai battues assez vite, je pense. Merde. Oh, je suis trop deg. Je suis dégoûtée. Ah ok, je pensais que je pouvais le prendre, mais non. Attention aux mines. Oh vas-y, dégoûté. Sur ta droite. Ouh! Détruire les sites. Bah oui, je sais. Heureusement que tu m'as dit, je les avais pas vus. Delta, je vous vois dans la zone. Si vous avez besoin de soutien, je suis tout en haut des ruines. À ta place, je le tenterai pas. Bah pourquoi? Faut être discret. Bah, ils vont me voir de toute façon. Une fois que j'aurai pété le truc, c'est mort. Merde, j'ai pas lu la mission. C'est écrit... Oh non, c'était écrit quoi? Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est pour la frappe. Merde. Delta, vous êtes proche de ma position. Je suis tout en haut des ruines si vous avez besoin de moi. Donnez-moi mon arme! Ah! À tes pieds la frappe. Oui, je pense que c'est un truc. Mais là, il y avait une mission, mais je... C'était écrit 3 éclaireurs machin, mais j'ai pas le temps de lire. Tu me fais pas confiance? Pas plus que nécessaire. Quoi? Ne me dis pas que ça te surprend. Il va nous voir, là, de toute façon. Je peux pas passer discret, on est d'accord. Il a dit je tenterai pas. Attention, un entendu. T'es son con. Delta, je suis du SAS. Si vous voulez de l'aide, je suis tout en haut des ruines. Ils sont sourds à ce point? Sur ta gauche. Derrière toi, Cliff. Vous êtes en plein milieu, les gars. On prend de la hauteur. Hop là. Ah bah voilà. Delta, vous êtes là. Je connais les positions ennemies, regardez. Ah, les renseignements des... Ok, ça va, j'en ai un sur trois. Faut que je chope tous les gars comme ça. Et regagnez votre véhicule. Bah, il est pété, le véhicule. Je veux bien, mais... Attends, mais c'est ça, là? Ouais, c'est ça. Oui! Eh ouais, mon gars. C'est comment J'ai regagné mon véhicule, mais ils me l'ont explosé. Je suis obligée de partir à pince. C'est quoi ça? Moi, je peux que marquer où aller. Oui.
je suis trop loin là. D'où le sniper, ouais, j'ai compris, ouais. Oh putain. Je vais me tuer. Faut que je mette un nouvel... Du coup, lui, c'est bon. C'est celui où on était, on est d'accord. Celui-là, je l'ai pété. Oula, oula! Grenade! Je crois qu'ils étaient pas censés me péter le véhicule. Discrétion. Oh non, rien. Ouais, ça donne de la thune. Mais là, il y avait qu'une tour. Donc là, on pouvait pas mieux faire, je crois. Du coup, là, c'est bon. Ça, c'est quoi? Avant-poste des tourelles aériennes. Largage de ravitaillement. Ruine. Ruine, ça y est, on a fait. Oh, elle est par là. Ah, c'est chiant d'être à pince. Et regagner votre véhicule ou le camp, mais on peut pas. Je veux bien. Le véhicule, il est pas. Le camp, il y est. Le véhicule, je l'ai pas. Ah ! Ah d'accord ! Il me redonne un véhicule ? Il me redonne... Oh, d'accord ! Ah ouais, mais je peux me ravitailler à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je perds pas le... Celui-là, il est fait, il est fait. Ouais, il y a le petit... Oh, bah c'est génial. On va aller à celui-là. Mais faut que je passe par des points d'interrogation. Comme ça, j'ai encore deux renseignements. Voilà. Et après, on se demande où partent nos impôts. Alors, tu en penses quoi de ces missions ouvertes? Bah, ça c'est bien. Là-bas. Ça, c'est sympa comme mission. Mais j'ai bien aimé le coup de... Avec l'appareil photo, là... Bon, j'ai pas été discrète, mais la mission, elle était sympa, la filtration. Pour avoir des infos. T'en épargnes rien. Mais moi, c'est les énigmes. Moi, j'ai un problème avec les énigmes. Mais ce genre de mission, j'aime bien. Je galère sur les énigmes, c'est tout. Y'a quoi dans la grotte? Putain, je me suis trop mal garé. Putain! Oh non! Oh non, les gars! En route. Traîne pas. J'étais coincé. Comment ça, traîne pas? Oh non, c'est pas vraiment une grotte. Chance qu'il nous ait pas aussi demandé de faire sa lessive. Hein. 900 mètres, là non, mais c'est trop loin. Ah, mais on arrive là où on a... Ok. Non, mais c'est ce qu'on a fouillé juste avant. Il est dans le milieu depuis longtemps. C'est parti. Bordel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, vous avez foutu quoi, les gars? Un bataillon de chars il y a deux jours. C'est tout ce qu'il en reste. Ça brûle encore.
Rien ici. Ouais, allons-nous-en. De la fumée orange. Ça veut dire qu'il y a du matos. Il nous pique notre matos. Oula. Je vois plusieurs ennemis. Et c'est à nous, les gars. Voleur. Arrête de voler. Arrête de voler. C'est fini. C'est fini. Putain. Je prends tout. J'ai tout pris, vous avez plus rien, les gars. Mais c'est où les avant-postes? Je suis de l'autre côté. Je voulais un avant-poste là pour. Pour avoir des infos. Ah bah là, il y en avait pas. Là et là. On va aller voir. On va aller voir. Ouais, bah attendez. Oui, je sais, j'ai vu. Gladny, on a repéré une batterie anti-aérienne. Oula! Si vous parvenez à détruire une unité sol-air, on pourra vous envoyer un soutien aérien. Il nous attaque! Ah oui, il nous attaque. Je suis arrivé comme ça. Attendez, il y a un caillou. J'arrête de bouger, moi. Ah! Ah! C'est un ennemi, lui. Qu'est-ce qu'il fait, là? Cible éliminée. Et voilà le travail. Ah bah. C'est un truc à détruire, ok. Bah alors attendez, les gars. Ça, j'en ai déjà un. Ouvrir. Non. Attention, les gars. Voilà. Discrétion. Et d'une. Si on détruit les deux autres, les Irakiens perdront le contrôle aérien dans la région. On ouvrira l'œil. Ouais, on va ouvrir l'œil. Qui c'est qui se gare comme ça, franchement? Déconné. Oh là, eh, heureusement c'est un 4x4. Hein. Irakien à proximité. Ça, c'est fait, on bouge. Let's go. Oula! Il y a des cailloux, attention. Regarde, au milieu des palmiers. La plantation de date. Il y a un lanceur de Scud là-bas. Oh putain! Ça, en vrai, je suis déjà mort 1000 fois. Ah non, mais c'est au-dessus. Je voulais faire le tour. Oula, il y a du monde là-bas. Oh, attendez, on revient. Ah oui, mission. Salut mon gars. La Delta en chair et en os. Je vais vous montrer à quoi on a affaire. Yes. Regardez,
Ils ont renforcé la sécurité autour de ce lance-missile. Ça pourrait les alerter. Ouais, mais je m'en fous, hein. Il est où? Enfin, faut juste que je sois sûr de sa position. Je peux l'avoir depuis là? Je suis pas sûr, hein. C'est ça, là? Si je vise là, en plein milieu, je l'ai. Ah bah je l'ai eu. Allez, comme ça, eh. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bah voilà, j'ai encore pas besoin un. De taper tout le monde. Il nous cherche. Partons. Oui, il nous cherche. Putain. Les 10 premières balles. Partons. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est quoi? Campement. Au boulot, les gars. Ça devrait être tout. Oula! J'ai envie de pisser, là, j'arrive plus à me contrôler. Venir, leur copain. Leur plan tombe à l'eau. Quelqu'un s'est plaint. J'ai envie de pissouille. J'ai envie de pissouille. Alors. Bon, je fais ça. Je fais celui-là et je vais pissouiller. Où est la route? Quelqu'un a oublié son bateau. Ça tombe bien, je le cherchais partout. Largage de ravitaillement au visuel. Y'a rien dans le bateau. Oh. Quelqu'un d'autre veut prendre le volant? Oh, hé, hey, oh, ça veut dire quoi? Hé, hey, pourquoi l'avant est rouge? Putain, j'ai cassé l'avant du... Faudra que je retourne au campement alors. Ils me redonneront un 4x4. Ça ressemble à un point de contrôle. Oui, en plein sur la route d'approvisionnement du SAS. Encore un camp. Les soldats du Panthéon sont plus nombreux. Il est fou. Mais non, pleine poire. Putain. C'est pas vrai! J'ai repéré des ennemis. Ils vont le voir tomber. Ça ressemble à un... Oui, en plein sur la route d'approvisionnement des SAS. Mais putain! Mais putain! Je pourrais pas le voir plus grand. Il est increvable. Les balles, c'est réaliste, ça va de partout. Il y a plus de lance-roquettes là. Ah encore. Ouh ouh. C'est toi là? Ah mais au secours. Mais c'est pas vrai. Mauvaise idée! Comment on fait ça? Comme ça. Il manque pas de ressources. J'ai plus de vie. Ah, mais c'est un gros, je l'avais pas vu! Attends, je l'ai pas eu là? Je l'ai pas eu, c'est les autres. J'ai plus de... Oh, il me saoule. Comment je prends la petite voiture? Elle est où la petite voiture?
Si je fais ça. Mortier en approche. Je bouge. C'est bon là ? Ça, si je l'ai loupé. Je crois que l'arme que j'ai prise, c'est pas fou. Je l'ai pas eu le gros, je crois. Il est mort ? Ah bah si, il s'est fait atomiser. Bon bah voilà. Oh la pro, tu parles. La discrétion a marché. Pourquoi j'ai pas les... Ah parce qu'il... Ok, il écrit... il m'écrit pas à moi. Il était où ? Là. T'as pas du matos ? Alors. Ah voilà. Je me suis fait détruire un peu là. Donnez-moi tout, donnez-moi tout. L'éclaireur de Gladny surveille la zone. Suffisamment longtemps. S'il y a bien quelqu'un qui a des infos sur ces scuds, c'est eux. Bien vu, Case. Regarde ce qu'elle contient. De l'argent, de l'argent. Ou peut-être des pépitos. Hop là. Au palais de plus belle lurette si Gladny avait juste accepté de nous aider. Pourquoi il fait ça ? Par bonté de cœur ? Deuxième jour. La guerre a un coût. Tu le sais bien, Marshall. Chut. A tenté de s'échapper. Nous l'avons maîtrisé, mais il demande à être avec son frère. Appelle-moi de le médecin pense que nous pouvons négocier avec lui, son frère, en échange de sa coopération. Résultat à suivre. C'est cruel d'utiliser la famille d'un civil comme moyen de pression. J'écoute un truc, tu racontes ta vie, là ! Arrêtez des civils. Des prisonniers politiques, probablement. Le Panthéon n'utiliserait pas les siens. Pas pour le premier jour d'essai. Oh, je vais aller faire pause pipi. Le MI6 n'a aucune info concernant le Panthéon. T'es sûr qu'il s'agit pas de simples mercenaires ? Certain. À pause, j'arrive. Je reviens. Ces enregistrements du Panthéon, ça n'augure rien de bon. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Le SAS traque les scuds depuis longtemps ? Depuis la mi-janvier. On essaie d'en neutraliser le plus possible. Vous avez entendu parler de Bravo 2-0 ? Non. Ils ont été déployés à 10 km d'ici pour faire quelques dégâts. La situation a dégénéré et les Irakiens les ont attaqués. Oh merde ! Un seul s'en est sorti. Les autres ont tous été capturés. J'ai ou éliminés. Pas entendu ce que tu disais, Park. Putain. Allez, go. Là.
Ah non, lui, on l'a fait. Ah bah c'est bon. C'est quoi? Il y avait rien, c'est... Oh putain. C'était le bateau, mais il y avait rien. Quoique, j'ai pas été voir à pied. Non, c'est mon bateau. Équipe de mortier à disposition. J'en déduis que tu préfères les yachts. Je crois que tu me confonds avec un... À moins que quelqu'un ait caché. Non, il y a rien. Qu'est-ce que je fais? Je repars au camp, puis... On va refaire ça. Ah ! Comme ça, on a le 4x4 tout neuf. Et là, on n'a pas été... Mince ! Ta-na-na. Ah mais notre camp il est tout près du bateau, d'accord. Ah ouais. Oh là, je regardais pas devant. Peu importe ce qu'on trouvera au palais, au moins on repartira pas les mains vides. Tu vois ce que je vois? Sur la crête au sud, il y a des antennes radar. Oui, bah attends. Là, du ravitaillement. Des Irakiens, on a la... Ah me dis pas que ça te fait pas mal ça. Oh. Oh putain, il va être 13h. Ça canarde devant, derrière les dunes. Attention. Ici le lieutenant-colonel Bannon de la Delta Force. Demande de renfort immédiat. Notre hélico est en train de se faire allumer. Ils ont besoin d'aide. Allons-y. Vite. C'était le dernier. J'aime quand ça finit bien. On va voir si Bannon tient le coup. Soldats, où est-ce que... Ah, peu importe. Dépêchez-vous de demander une frappe. Le terminal est dans l'hélico. Allez. Ici Diesel 2-1, j'approche de votre position. Tenez bon en attendant. Frappe en approche. En attendant, tenez bon.
Blindé en approche. Merde, ils cherchent à nous cerner. Ouh, ouh. Je suis nul à chier à Call of Duty. Diesel 2-1, j'approche de votre position. Tenez bon en attendant. Frappe en approche. En attendant, tenez bon. C'était pas cool de prendre la sulfate. Putain. J'ai envie de tout péter. Ici Diesel 2-1, j'approche de votre position. Tenez bon en attendant. Mais poussez-vous! Pas vu. Allez, autant pour moi, autant pour moi. Oh là. Oh là. Oh, c'est moi qui dirige, c'est foutu. Oh, j'en ai eu. Ah, c'est la guerre, c'est la guerre. Non. Prêt à intervenir. Ouh. Ouh. Vous êtes où? Encore une, encore une. Attention, danger proche. Oh là, oh là, oh là. Abattez-les. Oui, bah abattez-les. Mmh. C'est marrant. Quoi. Ici Diesel 2-1, reçu 5 sur 5. Préparez-vous. Oh. T'avais pas vu, toi. Non, non. C'est toi trop nul là. Ici, Diesel. Putain, demain, faut que je recommence. C'est bon en attendant. Frappe en approche. En attendant. Ta gueule. Blindé en approche. Putain. Recharge. J'y vais. Ici, Diesel 2-1, je serai là en 8 minutes. J'ai pas le... Dans les airs en recherche. Ah. Vas-y, c'est trop dur. C'est pas ciao pour les noobs. Les
Salut le véhicule. Diesel 2-1, terminé. Diesel 2-1 dans les airs, en recherche de cible. Je crois que ça devrait suffire. Non, ça suffit pas. Je pensais que notre mission était foutue avant que vous arriviez. Ah bah... Merci. D'une unité Delta à une autre. On est quand même mort 3 fois, hein. Bonne chance. Ouais. Oh bah putain. Mais vas-y. Bah oui, je vais tout jeter, là. Je suis heureuse, là. Pas en colère. Non, c'est pas en vétéran, justement, c'est en facile. C'est bon, déjà que je suis au plus bas, c'est pas la peine de me... Ah bah c'était super dur. Noob, bah ouais ouais. Bah c'est pas grave. Je t'emmerde quand même. Je fais ce que je peux. J'ai jamais joué à Call of Duty là. C'est dur la campagne. C'est pas pour les noobs. Alors déjà en facile, eh ben, je trouve que je me débrouille bien. Tu vois. Moi je vais aller direct là je pense. Ah non mais il y avait les points d'interrogation, c'est une mission. Peut-être que là, il y a un collègue. L'ennemi a intérêt à faire sa part une fois qu'on aura neutralisé ce scud. On voit de la fumée orange là-bas, Case. Ils prennent notre équipement. Ah oui, c'est des voleurs. Des sous. Y'a pas de sous. Y'a un éclaireur allié dans le coin. Le collègue. Delta, je vois que vous êtes pas loin. Je suis sur la crête de l'autre côté de la clôture. J'ai des infos. Ça pourrait les arrêter. C'est dégagé. Voilà. Tiens, mais il est où? Ah, il est là. Content de vous voir, Delta. Laissez-moi vous montrer ce que je vois. 3 sur 3. Alors. Hop. Oh là. Ouais, c'est ça que je veux. Allez, on y va. On retourne au camp à ton signal, Case. C'est bon d'avoir des. Je te laisserai l'honneur d'informer Gladney de notre succès. Bah voilà. Bah écoute, on a fait les objectifs principaux. Hein. Les 3 sont pétés. Oui. Et bah voilà. Ah bah là, on ne peut pas se TP. Allez, la campagne, elle part demain. Faut la finir vite. La campagne, elle part demain? Non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai tiré. Hop là. On
On est sur le chemin du retour, Gladney. Ah bah si, on pouvait. Bah je sais pas ce que j'ai foutu. Tout est sous contrôle. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je peux vous aider ? Bah voilà. Impressionnant. Maintenant que c'est réglé, on va pouvoir s'attaquer au palais. Je vais rassembler mes hommes. Non, c'est pas vrai. On part maintenant, on y va avec ce qu'on a. Ça vous va ? C'est la fin de la campagne ? Oh non ! Non mais c'est pas vrai en plus, je suis sûre que c'est pas vrai. Parce que la campagne, je la fais quand je veux. Je préviens les autres. Oh mince, j'ai relancé une... Après tu es obligé de monter prestige. Non mais c'est pas vrai ce que tu dis. Oula, oula. Où les préparatifs? Wow, 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 wow. Jackal 2, entrez dans ce palais rapidement et dépêchez-vous d'en sortir. Une fois que vous aurez terminé, on le rayera de la carte. Bien reçu, Jackal 1. On fera la visite express. Il y a sûrement rien à voir, de toute façon. On cherche un bunker. On pense qu'il est possible d'y accéder depuis l'autre côté du terrain. On vous guidera. Après ça, Talon 1 se chargera de nous extraire en un seul morceau. De préférence. Alors au boulot. On va aller chercher un burger. Ah bah là, j'ai faim, là. Comment ? Oh non ! Faites gaffe, tape qu'on arrive. Oh, ça lance direct. Wouah ! Ouh, ouh, bah oui, je suis à coup. Ah ! Ah bah super ! C'était génial. Je vois pas, ils sont tout petits les bonhommes. Voilà. Ça fait mal. Je vais chercher ma gourde pendant que tout explose. Ah d'accord.
pas mal. Allez ! Vous arrêtez pas ! Avancez ! Ah, de la piste ! J'ai voulu être trop rapide. Sopo, tu rages, tu deviens meilleur. Oh la vache, énerve-toi. Sport, tu sais, féminin. Oh, bah attendez, je suis en train de lire. Ah bah attends. Il faut que je me mette sur... Oui, je vais t'inviter au groupe. Invité à ma fête, c'est écrit. Merde. Pour que Oli les mette avec des... Oh ! Celles qui font du volleyball. T'as reçu l'invitation ? Je t'ai invité en groupe. Ah ! Allô ! Attends, faut que je mette ton vocal. Attends. C'est où déjà? Oh là là. C'est où? Attends. Attends, je sais plus où c'est. Diffusion. Là. Activé. Audio du groupe. Voilà. C'est activé. On t'entend. Ah, bite, nichon, couille, bite, nichon, couille. Putain, mais c'est pas vrai. Déjà que tu l'as écrit, c'est bon, on a compris. Je vais me faire ban, là. Je joue jamais, je vais me faire ban à cause de toi. Mais tu vas pas te faire ban parce que je dis bite, je me couille. Hein. Ouais, il est... Si, bah si, faut pas... je crois qu'il faut pas trop dire... Si, on peut ? Mais c'est pas vrai ! Oh ! Putain, je vais faire la même. Ah, je l'ai plus. J'ai plus le bazooka, je voulais lui faire la même. Ouh ! Ouah ! Énerve-toi là. Énerve-toi. T'as oublié que ma deuxième arme, je vois mieux. Tiens. Alors, avec ma grosse loupe. Voilà, j'ai tout mis à côté. Ah, grenade. Tiens. Oh, je l'ai loupé en plus. Par contre, les grenades, c'est pas... Putain, mais il est juste devant toi, tu pouvais pas le tuer. Mais il est là, le mec. T'es nul, sergent. J'ai plus de vie. Tu fais de l'Osiris? Rien à faire sur ce mec. Enfin, y'a rien à faire. Quand vous venez pas faire le conjoint avec moi, quoi. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Allô. T'as de la vie, toi. Oh, 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 oh. Je l'ai pas vu tout à l'heure, celui-là, si. On y est, c'est la porte du bunker. Je peux pas... Panthéon. Ils ont placé le bunker sous protection. Ils doivent protéger quelque chose d'important. Les papiers. C'est leur papier toilette qui protège. Avancez ! Oh ! C'est quoi ? C'est une boule puante ! Ta mère !
lâchez pas. Il est mort le gros. Oh vas-y. Il m'a fait super mal lui. Adler, avec moi, on descend. On m'a empoisonné. Faites vite. Oh, en plus il m'a donné 50 balles. Allez hop. Ah mais c'est pas des copains. Ah, vas-y, dis-le moi. Oh là là. La voie est libre, on y va. Bah oui, la voie est libre, tu m'as rien dit. Putain. Hey, salut Chris. Putain, l'IA prend cher, j'avais pas lu. Avec la loupe, ouais, bah antimicrobio, ouais. J'ai dit boule puante, ça fait super mal. Il ne se laisse pas faire. Mais il se laisse pas faire. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Attention. En crise, c'est un carnage. Ce gaz neurotoxique, ouais. Cette mission est un carnage. Je sais pas si ça fait un moment que t'es dessus, mais... Sa dame a caché des millions. Tu vas pleurer. Aussi. Mon niveau, Chris, tu vas putain, pleurer. C'est ce que valent ces chiottes en or. Il échangerait tout ça contre une arme de destruction massive. On se rapproche. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi, les gars? Je dois fouiller la zone. Je dois fouiller là, là? Eh bah, le beau portrait. Oh, oh! Eh, j'allais partir sans la thune. Attendez, j'ai pas fait le tour. Il est tellement friqué. C'est bon. Regardez cette mallette. Quoi, tu peux pas le faire toi-même? Mais non, suffit que tu sois en colère. Ouh, ouh, ouh. Oh, le biohazard. Qu'est-ce qu'on a? Attention. Le berceau. C'est un poison biochimique. Vous avez raison. Et il laisse sa dame mettre la main dessus. D'après tout ce que je vois ici. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Comme c'est un échantillon. Une disquette et quelques notes en russe. Le projet est dirigé par Matvi Gousseff. On dirait que tu le connais. J'ai déjà entendu ce nom. Gousseff a participé au programme d'armes biologiques de l'Union soviétique, Biopreparat. Les services secrets disent qu'il a fui la Russie l'an dernier, puis il a disparu. Gousseff a offert au Panthéon une arme biologique soviétique ? Non. Selon ces informations, le berceau vient d'ailleurs. Un centre de recherche que je connais bien. Américain. Américain. Bon, vous trois, la visite est terminée. On a besoin de vous, Yao. Oh, sa gueule, les gars. Allez, on remonte. Restons pas là. Il y a plus de sous. Vous avez ce que vous voulez. Oula, ça va péter. Mais on a ce qu'il nous faut. Ils vont nous faire exploser dans le bunker, faut faire gaffe. Je viens d'arriver, je regarde un pote du taf qui fait diff sur F1. Et le temps d'allumer ma clope, t'as apparu dans mes recommandations. Ah bah écoute, ça me fait très plaisir, merci beaucoup de passer pas par la regarder, un petit coup. C'est très gentil. Non, elle est douce, ça sert à c'est pas souvent que j'ai des viewers, alors ça fait toujours plaisir. Tu t'as vu les toilettes en or? Tu vas chialer, toi. De quoi? Sur TikTok quoi, Tom? Tu vas pas faire comme dans le TikTok où tu vas commencer à chialer. Pourquoi je chialerais? Je sais pas. Oh! Attends, je t'entends pas assez fort. J'ai le son du jeu à Mac 12. Il est où ton son? Ah bah oui. C'est bien le son parce que le son, c'est... T'as fait une petite ref à la vitesse du son et tout. C'est beau. Je t'ai mis à 120 parce que j'entends trop le jeu. Et toi, quand bah tu baisse parles, le jeu. Je pense... Bah ouais, bah... Je crois que le son, il est à fond. Attends. Il est où le son? Autre option. Mon micro, ouais, je vais baisser un peu. Ouais, ça pète beaucoup. Ah non, j'ai baissé le son du jeu dans le son. Ah, attends, je suis con. Attends, j'ai baissé le son du jeu. Le son du jeu dans le stream. Voilà, volume du casque. Putain, je suis débile. On va être de moitié parce que moi, ça me pète les oreilles. Bah voilà. Ah, j'entends moins. Normalement, j'ai pas trop changé le son dans le stream, non? Moi, c'est super bas là. Abattez-les tous, Pokémon! Utilise la corde! Allez, ouais. Case! Quelle corde? Elle est où ta corde?
Ah, trop bien. Ouh. Et c'est quand que vous allez au concert ? Bah là, là, en fait, il va falloir que je coupe après que je mange parce que c'est... Mais à quelle heure ? Mais à, ouverture du site à 17h à Saint-Raphaël. 17h, début du concert, je crois, 18h, ils fouillent et puis... D'ailleurs, j'espère qu'ils vont nous fouiller un peu plus tôt que la dernière fois parce qu'on est... Le temps qu'on ah, ça se fasse fouiller... Le concert, mais c'est pas loin. Oui, à l'accord... Arena... Attends, comment ça s'appelle ? Ouais, je vois ce que c'est. Et c'est concert de qui ? Ouah, il y a que des groupes, il y a du deathcore, je crois, du death, c'est du truc qui crie, quoi. Du truc qui crie un peu. Il y a 4 groupes, je crois. En vrai, c'est super rentable comme soirée, c'est trop sympa. Le son des femmes. Garde un max d'argent pour acheter les armes spéciales pour zombies et multi. J'ai pas fait une seule. Ouais. Ah mais ça compte l'argent que tu gagnes dans ta campagne ? C'est pas juste pour les améliorations du truc de campagne ? Bah si, si, ça t'améliore... tu améliores ta stabilité, tes armes et tout. Oui, voilà, c'est ça dont tu parles. Mais zombie, j'ai pas fait une seule partie encore. Faudrait qu'on en fasse... Oh putain... Tom, tu voudrais pas ce soir, vous rentrez à quelle heure ? Un coup zombie. Ah bah là, ce soir, ça fait... À 1h, 2h du matin, on va rentrer, je crois. Bah, il y a une heure... Presque une heure et... Une heure et quelques de route, je dirais pas une heure et demie, mais ouais, si, peut-être une heure et demie hein, de la maison pour y aller. Ouais. Une bonne heure, quoi. Je sais pas à quelle heure on va partir. La dernière fois, on est arrivé très très tôt. En fait, là, je vais manger, je vais me préparer. Je voulais me remettre du vernis et tout. Et tout, vas-tu faire comme la meuf sur TikTok, il a envoyé au lit. Je vais faire un live, je mets du vernis. Non, où tu montes tous tes nibards là. Oh, mais non, mais la dame elle avait à peu près 40 ans. Ouais. De toute façon, je peux pas faire des lives TikTok, il faut au moins 1000 follow. J'ai pas 1000 follow. Mais... Ouais, t'as pas, c'est interdit de faire du multistream en attendant. Pour l'instant, je peux pas. Moi, il y a 6 concerts au lit. 6 concerts ? 6 concerts en une soirée. Mais c'est super rentable, c'est trop bien le. Ça s'appelle le Distortion Festival. C'est génial, c'est la deuxième fois qu'ils le font. En vrai, c'est sûr. Après, faut aimer, hein, c'est pas. C'est pas du RPG. Ouais, bien sûr. Mais j'adore ce qu'ils font. Du rap. En plus, il y a du merch, il y a les tatoueurs qui font des flashs. Tu vas te faire tatouer ? Bah, la dernière fois, je l'ai fait. Là, du coup, il sera là normalement ce soir. Je vais lui montrer la cicatrisation. Par contre, faudra que je reprenne rendez-vous pour le faire la deuxième couche. Bah, tu sais. Il m'a dit c'est important. Tu l'es là. C'est important pour qu'il dure dans le temps. Que je fasse le. Ouais, ta roquette. Tu te la fous au cul, mon gars. Je tue des gens et je parle de choses qui n'ont rien à voir. Sopo, elle est heureuse. Sopo, elle est heureuse. Je vois les balles, mais vous êtes où ? Je crois qu'ils sont plus bas que ça. Ils sont là. Ah, on est au-dessus de la statue. Oh putain. Je l'avais pas vu. Extraction. Bien. Oh. D'où je prends une roquette? Ah non, c'est pas l'extraction, c'est des mecs. Merde. Oh non, je vais peut-être pas laisser la pile là. Parce que je voulais faire. Ouah, c'est chaud. Non, mais non, je suis nulle. Je suis trop nulle. Les niches. 5 armes à débloquer en campagne, ou zombies, multi, à débloquer dans la table d'amélioration. Oui, voilà, dans la tour. Pour zombie et multi, désolé mon frère est pas bon. Français pas frère. Ok. Mon français est pas bon. Donc là faut juste que je survive. Oh là là.
je l'ai pas vu lui. Merde, je voulais faire un truc de ouf. J'avais pas vu le sniper. Lui non plus. Attention. Attends, je les ai... Je leur ai rien fait. J'ai quand même un peu. Eh vas-y. Sauf qu'il peut. Oui, je monte. On va vous attendre. Ah bah c'est bon. Ah bah voilà, facile, c'est facile. Confirmé. On a un lancer-roquette à côté. Profitez du spectacle. Au bout du mur. Ah, lance-roquette. Pardon. J'avais pas vu. Contente de voir que ça t'amuse. T'inquiète, Sopo a tué le français dans le manoir en voulant ouvrir le coffre. On est enfin d'accord sur quelque chose. Le français dans le manoir en voulant ouvrir le coffre. J'ai pas compris non plus, Oli. Dans la campagne, au début. Les documents qu'on a trouvés succès dans le diamant. Matvei Gousseff, un chercheur en armement soviétique. On pense qu'il est resté en Irak, caché. Adler s'est porté volontaire pour rester et retrouver sa trace. Je vais demander à Félix d'examiner la disquette qu'on a trouvée pendant qu'on enquête sur les origines du berceau. Si Adler a raison, ce truc pourrait bien provenir d'un centre de recherche américain. Un scientifique soviétique et une arme biologique américaine. Dans quel merdier on s'est foiré. T'as questionné Haro au sujet de ce soi-disant centre de recherche ? Elle ne répond pas. Je lui ai dit d'enquêter sur Livingstone. Le Minitel. Tu crois qu'il y arrive à quelque chose? Si c'est le cas, c'est ma faute. Je me rappelle plus, Oli, de ce que tu... de quoi tu... T'es pas responsable de tous les malheurs du monde, tu sais. Ah bon? On connaît les risques, après tout. Mais je pense que je suis qu'au début ouais, de la campagne. Et t'es toutes les fois où je meurs à chaque mission, vraiment, heureusement que je suis en facile. T'es pas le seul concerné. Que dirais-tu de venir aux États-Unis avec Case et moi? Je pense que eux, au fond, ils sont amoureux. Eh ben, je vais y réfléchir. Tu y es bientôt. Ah, d'accord. Félix est encore dans la cuisine. Ah, tu veux lui faire des bisous, hein? Hein, tu veux lui faire des bisous? Bien manger pendant que vous vous baladiez dans le désert. Oh, à table. Déchiffrer la disquette qu'Adler a trouvée. Ah non. On doit savoir ce qu'elle contient. Eh, hey, le cuistot. T'as pu décoder la disquette? Oh, j'ai 950. Qu'est-ce qui vaut le coup? Non, elle est LGBT. Oh non, science, c'est pas vrai. Science. Me dis pas qu'elle est LGBT. Hein. La cryptographie, c'est comme préparer du fougou. Un mauvais geste. Tu m'as tué à sortir ça. Il y a un secret dans le manoir, okay. Avec la lampe à speu. Ah, parce qu'il prévoit, nous. Mais Chris, je crois qu'il a fini la campagne, non? Quoi, j'ai encore une mission avec la lampe? Je croyais qu'on devait pas se plaindre. C'est vrai, j'ai bien dit ça. Je pense que Chris, il a fini la campagne. Qu'est-ce qui vaut le coup que j'améliore? Là-bas, j'avais pris stabilité des armes, j'ai pris 1. Ça, c'est quoi? Le nombre de stats, bon, faut que j'y aille, moi. D'armure. Tu t'en vas toute la journée? Non, bah vous oui, mais moi faut que j'aille manger. Ah bah bon appétit. Non mais moi je vais couper là aussi, je vais aller manger et me préparer après. Bon appétit. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Des bisous. La tuerie de piqûre d'adrénaline. Bah, j'ai pas encore débloqué l'adrénaline. Le couteau auto-guidé, je l'ai pas encore débloqué non plus. Transporter une pièce de chaque équipement durable. Recharger. De l'armure et de la santé après avoir été. Bah, les exécutions, j'en ai pas réussi une seule. Les exécutions. Achète rien. L'établi d'armes à la fin. Bah oui. 950. Après, si je chope petit à petit
de la thune dans la campagne, je vais pouvoir tout débloquer, je suppose, au niveau de l'établi après. Voilà, l'établi des armes, j'avais pris ça. J'avais déjà pris ça. Là, j'achète rien du tout, je finirai la campagne, on verra plus tard. Non ? Ah, j'aurais pas assez de sous ? Non. Bon bah, j'achète rien. Hein. Va à la fin de la liste. Oh, waouh ! Ah, tu veux que j'économise pour débloquer les armes dans le multi ? Bon, après, le pompe, je... Je joue pas pompe. Je sais pas jouer pompe et j'aime pas trop. Donc à la limite, je prendrais le fusil d'assaut et la mitraillette, ouais. Ah oui, tu peux jouer en multi, en zombie. Si je les débloque. C'est ça? Ça les débloque en multi. Ouais, 3000, 6000. Il va me falloir plus de 6000 quand même. Je suis pas prête de les avoir. Hein. Ce sera pas maintenant. Oh là là, j'ai faim. Qu'aurait retourné sa veste pour de l'argent? Sérieusement. Les fringues qu'il porte, elles sont pas données. Écoute, il peut parfois ressembler. Ouais, avec le piano, ouais, je l'ai fait juste en début de live là. J'ai lancé le live parce que justement on a trouvé les. J'ai vu les marques de speu par terre avec la lampe. Je sais plus. Eh ben tu sais quoi, j'ai galéré. Avec la radio du russe là. Ah ben j'ai galéré à trouver le code. Et j'ai fait au hasard, j'ai trouvé 1953, c'était même pas ça. Oui, oui, j'ai ouvert. Ça me tue de rester dans ce truc. Oh, dis pas ça. Je me suis trompé. Et il me l'a débloqué parce que j'étais sur le 8. C'était 1958 du coup, je crois. Déplacer comme avant, mais et moi je pensais que c'était 1953, alors, tu vois. C'était vraiment coup de bol pour débloquer le coffre. Peut-être qu'avant t'étais Captain America et maintenant t'es. Le professeur X. Qui ça? Oh là. Oh la colère. Oh là. Putain, tu nous l'as vexé là. T'es con toi. Oh. Le pauvre. Je suis pas d'humeur là. Bon. Il me fait de la peine. Il a été trop méchant. Dans toutes les missions, il y a un. Coffret secret avec 1000$. Toutes les missions, c'est-à-dire. Bah là, c'était à la tour. Comme là, les coffres que j'ai ouverts en trouvant les ravitaillements sur la map, tu veux dire, dans les missions. Là, il y en avait, ouais, mais il n'y avait pas. Ah si, j'ai crocheté des coffres, t'as raison. Je crois qu'il y en avait un à 1000. Je crois. Bah pourquoi j'ai 900 et quelques? Qu'est-ce que j'ai dépensé? Bah je sais plus. Mais oui, effectivement, ouais. Il y avait plusieurs coffres dans l'émission. En plus, j'ai même pas fait toute la map, je me suis dépêchée. Par mission et le code du coffre tu l'as avec une radio. Ah ouais, ouais, mais moi les énigmes j'ai pété un câble au début là, au début du live là, pour faire l'énigme avec la radio du russe. J'ai pété un câble. En plus je suis pas patiente. Je crois que ça s'est vu, j'ai zéro patience, ça m'a gavé de pas trouver tout de suite. J'ai eu l'aide de Holly. Hey, rends-moi service et va voir Félix, s'il te plaît. Il veut pas me parler. Tu nous l'as ronchonné. C'était très drôle. Ouais, bah toi t'as rigolé, mais moi j'ai pas rigolé. Hein. Bon, je vais rester là-dessus. Je vais aller manger, me préparer. Je sais pas à quelle heure on part pour les concerts ce soir. Attendre pour manger.
Pourquoi attendre pour manger? Mais de toute façon, faut que je me prépare. Je sais pas comment je vais m'habiller pour ce soir. Faut que je fasse mes ongles et faut que je mange. Attendre. Oui, ben je vais attendre. Pour manger, oui. Tu veux manger avec moi? Oui, j'ai compris. J'attends. J'attends, mais je peux quand même aller me laver le cul et me préparer. Bon ben je relance pas une mission, je reste là-dessus. Je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Oui, j'ai faim, bah oui. Je vais t'attendre, mais j'ai faim. Ça ne nous regarde pas. De quoi je vais me laver le cul? Non, non, mais je suis juste honnête. Voilà. Je vais être propre, c'est tout. Oui. Juste, voilà, je suis honnête. J'ai pas envie de puer du derche, voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être venu. C'est super gentil aussi d'avoir écrit dans le chat. Franchement, ça me fait plaisir. Parce que c'est pas souvent. C'est que Oli qui me fait la causette. Donc merci beaucoup. Bah toi aussi, passe une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas si t'as le week-end de 3 jours avec lundi férié, mais si c'est le cas, profites-en. Voilà, je sais pas si je vais relancer, si je vais continuer la campagne de demain, je sais pas du tout. Voilà. Et puis sinon, bah à bientôt. Hein. Merci beaucoup. Oui, je vais fumer B6. Bah si tu veux m'ajouter, peut-être qu'on fera du multi avec Oli, je sais pas. C'est soit ça, soit je me mets sur Destiny, donc. Voilà, on va voir. Et on a aussi un Discord. Bah, je suis sur plusieurs Discord d'ailleurs. Discord BO6. Et Discord classique où on fait plein de jeux. Ah, on a fait du Phasmophobia aussi la dernière fois. Putain, ils se sont bien foutus de moi. On a bien rigolé. Tu joues à Call of, tu es sale. T'es déjà dans ma liste depuis 10 ans. Mais non, c'est pas vrai. Sous Chris? Mais sur Xbox, tu veux dire? Ou sur Discord? Si. Oui, sur Discord. Oh putain! Pardon! Ah oh, putain! Bah oui, mais t'as mis juste Chris! Si t'avais mis ton pseudo entier, je t'aurais reconnu. LOL! Banane. Bah oui, non mais d'accord. Oui, effectivement, ça fait un moment. Bah c'est gentil d'être passé sur le live. Il est con, putain. J'aurais pas pu deviner, n'importe qui peut s'appeler Chris. Pff, oui, effectivement. Ça fait un bail. Au pôle enquêtrice. Ah bah je peux pas deviner, hein, y a plein de gens qui s'appellent pareil. Eh oui. Ah bah tu me connais presque autant que Tom Fett. Presque. Mais oui, je me rappelle. Vraie fine gâchette, c'était le clan de ton frère, c'est ça? Ouais. Ouais, ça fait un bail. Une autre vie, une autre époque. Oh putain. Bah nous, on continue sur Destiny 2. Bon, on joue tranquille, hein, c'est pas du tryhard. Mais bon, peut-être que là j'avais jamais fait une campagne entière de Call of, alors ce serait bien que celle-là, je la fasse. Pour une fois. Je suis retournée il y a 2 mois vite fait.
avec ma fille. Ah, tu lui as appris à jouer? Tu l'as mis un peu? Tu l'as mise? D'ailleurs, j'ai pas vu là si ça a lancé. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait un live, ça a mis. Ça a mis Warfare, ça a pas mis BO6. C'est où? Tableau de bord. Modifier les infos. J'ai pas regardé là ce que ça m'a lancé. Ah si, Black Ops 6, là c'est bon. Bah, la dernière fois, ça n'avait pas lancé Black Ops 6 en catégorie. Notification de live, j'ai mis la newbie de retour pour rager. Je trouve que c'est pas mal. Ça me représente bien. Repère, nanana. Ah par contre, il y a toujours les 30 secondes de pub. C'est quoi ça, lancer les pubs? Non mais c'est ouais, mais s'il y a des pubs, les gens ils vont pas venir. Non. Hop, gestionnaire. Moi, je vois... Ouais voilà, c'est bon. Je l'ai changé. Ah tu vois, c'est toi qui as dû changer. Ah ouais, elle a 12 ans maintenant. Du coup je lui montre des jeux. Putain ouais, je l'ai vue, elle était petite petite. Tout le monde a des pubs. Bah, c'est pour ça que les gens ils viennent pas. Faudrait peut-être que je lève les pubs. Ah, c'est obligatoire? On peut plus les enlever maintenant? Ils ont changé leur mode de fonctionnement. Avant, on pouvait les lever. Bah, du coup, les 30 secondes, les gens ils ont pas envie de rejoindre quelqu'un qu'ils connaissent pas, qui a pas de vue. S'il y a 30 secondes de pub, ouais, ça doit les faire chier. Je pense. Ah, t'es obligé d'avoir... Ah, c'est ce que t'as fait. T'es obligé de mettre un abonnement premium pour avoir pas de pub. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ouais, après, c'est payant. C'est combien, l'abonnement? C'est cher? J'ai jamais fait d'abonnement. Moi, je sais pas ce que ça vaut. T'inquiète, il a personne sur Medif. Moi, ça me change rien. Non, c'est pas 300 euros un abonnement pour suivre quelqu'un. C'est pas possible. Oh. Et t'as fait des petits clips ou pas, là, quand je m'énervais tout à l'heure? En fait, normalement, c'est où? Ah, ça a bugué. Qu'est-ce que j'ai fait? Le prix d'une Renault Mégane. Ouais, enfin, quand il y avait des trucs sympas, je sais pas si t'as fait des petits clips. Ça bug, je voulais mettre un smiley. Ah, c'est là. Comment j'efface? Ça, j'ai mis n'importe quoi. Hop, smiley. Normalement, vous avez accès à... J'ai des petits smileys. J'ai des Pokémon. Ah oui, j'ai pas que ça. Eh, mais tu m'as débloqué plein de petits smileys. Ah, ça, c'est BO6? Ah, il est bien, celui-là. Putain, mais j'en ai des biens, déverrouillés. Bon, ça, c'est du Twitch global. Ah oui, le BO6, il est dans global. Et il y en a plein des biens. Ah, c'est trop cool. On est plein des débloqués. Mais non, il y a même du Destiny. Regarde-moi ça. Oh, vite.
Je savais pas qu'il y a des petits emojis. Moi je regarde avec le tel, je pense pas. Bah moi aussi. Là je regarde avec le tel. Moi j'en ai plein de ouf. Genre des petits bonhommes bleus comme ça et tout. C'est trop bien. J'ai même plein de têtes de mecs. Ah trop cool. Bon bah allez, écoute, je vais déco du live. Je te remercie d'être passé. Et ouais, faudra qu'on se fasse une game. Une game zombie ou quoi. Mon niveau n'a toujours pas augmenté. Hein. Je te dis, tu vas rigoler. Hein. Bonne journée, pas de soucis. Bah merci beaucoup. Une bonne journée à toi aussi. Faudra que je mate la rediff pour voir ce que je peux potentiellement garder et mettre sur TikTok ou autre. Bon bah allez. Bonne journée. Je suis pourrie, tu voulais mettre, ouais. Moi non plus, t'as que je suis pourrie. on va level up ensemble. Allez, bon week-end, des bisous et merci d'être passé, merci beaucoup.